pause, je vais immédiatement aller chercher le pied. D'accord, je vais lâcher le bras, je l'ai amené vers moi, je vois qu'il est en résistance, je prends. Ok. Vous avez vu, mon pied il est au sol. En gros, c'est comme si j'étais sur un escape là. Ok. Là, et je me monte pas. Je mets pas. Là maintenant, juste petit kick. Ça tombe. Au moment où ça tombe, je ramène ma jambe. Je prends ma balle. D'accord. Pourquoi je pars sur l'arrière? Pour éviter de me retrouver parfois dans un mouvement où je vais partir là, je le kick super fort et je m'embarque avec lui. Et là, je suis très proche de lui. Je peux être en galère, il peut me reprendre une mi-garde. Je ne suis pas forcément hyper bien placé sur plein d'éléments. Donc, c'est pas très bon pour moi. Je veux absolument que vous preniez votre base. Quand j'arrive, là, je suis ici, là, je kick. Dès que je sens que c'est ok, je pourrais même dans l'absolu me dire, je suis là, j'ai un peu peur de me faire embarquer par le gars. Alors parfois on se fait embarquer parce qu'on ouvre ici. Moi je ne demande pas d'ouvrir. Je me demande juste où se caler. Parfois, je mets l'impression qu'on peut partir avec le partenaire. Dans ce cas-là, lâchez-le, c'est pas important. Donc, on garde la distance pour pouvoir avoir des options. Bien sûr, j'ai toujours au moins une technique en tête de ce que je veux faire. Je suis là, boum, ça marche pas. Je suis ici, je suis là. D'accord ? Ma jambe s'en sert. Maintenant, même s'il a le col là, je m'en fous. Pause. Je reviens sur ma base. Col ou pas, ça change pas grand chose à manger. D'accord ? À la bouche, tu prends. Et là, je prends. Moi, je rentre petit. Tu peux défendre. J'ai pas beaucoup de bombes. Ok ? Allez, Jimmy.